Bonsoir tout le monde, c'est Ozenith Max. On se retrouve pour un nouveau tutoriel que je vais faire en votre compagnie sur lequel on va s'amuser à modéliser des pneus. Voilà, donc là on voit trois petits pneus, une petite mise en scène que j'ai fait tout à l'heure et on va s'amuser à modéliser ceci. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, on part d'un plan normal, voilà, donc on a nos quatre vues. On va partir, moi je vais partir de la vue de gauche, voilà, je me mets en plein écran avec Alt-W, question de confort, et donc là on va partir des formes dans le panneau créé, et je vais chercher rectangle, ici, je vais cocher la balise d'accrochage de distance, et je vais tracer un rectangle. Voilà, comme ceci. Des bonnes mesures. 8 carrés de long, 4 de large. Voilà. Une fois que j'ai mon rectangle, je reste dans ma vue de gauche. Je peux décocher cette bascule d'accrochage. Et là, on va commencer les premières modifications. Donc déjà, au niveau des paramètres, voilà. On le convertit en polygone éditable. Une fois que j'ai mon polygone éditable, je vais sélectionner les deux arêtes qui sont là, je vais cliquer sur la boîte de dialogue à côté de connecter, et là je vais déjà faire, voilà, je vais déjà diviser en deux, voilà, hop, je sélectionne tous les points, je prends la mise à l'échelle, je la rapproche un petit peu, voilà, on va créer en fait le motif de notre pneu, qu'on va ensuite dupliquer. Il y a plusieurs façons de créer des pneus, bien sûr. Cette façon est assez efficace puisqu'on permet d'avoir un motif assez personnalisé rapidement. Vous allez voir, c'est très simple. Vous faites un autre connecté. On va mettre plutôt qu'une seule. Une seule. On peut faire un petit chanfrein sur lequel on va pouvoir bien régler. Hop. Maintenant on sélectionne les quatre points, on prend l'outil mise à l'échelle et on rapproche. On va désélectionner cela en maintenant la touche Alt. Et on va un petit peu écarter nos deux petits points ici. Voilà. Hop. Hop. Hop, un petit connecté, un petit chanfrein, j'écarte un peu, j'essaie de me rapprocher de la même taille que ça. Maintenant, je sélectionne mes quatre points, hop, je les rapproche, et voilà. Dernière étape, hop, je fais un petit connecté, là c'est pareil. Connecté, je sélectionne les points, je les écarte. Voilà. Maintenant, on va créer par exemple un petit motif comme celui que je vous ai montré. Très rapidement, on peut sélectionner ceci et ceci, faire un petit connecté, en mettre deux, rapprocher un petit peu les segments. Voilà. Je sélectionne ensuite ces points-là. Hop. Mince. Je sélectionne, voilà, par exemple, ceux-là. Hop. Ces deux-là. Voilà. On a par exemple ce motif-là. Vous allez voir de quelle façon il va prendre forme. Alors, je sélectionne ceci, ceci. Ceci, ceci, non, ça, 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 ouais, comme ça, c'est mieux. J'en ai oublié un. J'avais bien que j'avais.
j'avais mal compté. Hop. Hop. On écarte avec la mise à l'échelle. Je prends celui-là, je prends celui-là, je fais un petit connecté. Un petit connecté, voilà. Hop. Celui-ci et celui-ci. Et voilà. Là maintenant, je sélectionne ça. Voilà. Donc là maintenant, vous remarquez que si je me mets en vue perspective, voilà. Et là maintenant, je vais extruder. Hop. Je vais extruder mon pneu, voilà. Ou si vous avez respecté les mêmes mesures que moi, vous pouvez l'extruder à 3,5. Vous faites entrer. Et maintenant, on va s'occuper de nos petits crampons. On sélectionne ceci. Hop. Et là maintenant, on va essayer d'adoucir un petit peu les arêtes. Alors, on appuie sur G pour masquer la grille. Voilà. On adoucit les arêtes tout simplement. Oh putain, j'arrive pas à bien les voir. Voilà. On adoucit avec chanfrein. On va rester tranquille. Voilà. On baisse un petit peu les valeurs. Hop. On essaie de faire en sorte que ça se confonde pas trop, histoire que ce soit pas trop sale. Voilà. Hop. Alors attendez, seulement avant de faire ça, on va d'abord supprimer ces faces-là parce qu'on n'en aura pas besoin. Voilà. Bon, vous pouvez les supprimer après, c'est comme vous voulez. Hop. Et là maintenant, on fait notre fameuse sélection, notre fameux chanfrein. Et on valide. Voilà, maintenant vous avez mis un chanfrein sur tout ça, vous pouvez prendre un petit peu de recul, voilà. Vous avez une forme qui commence un petit peu à sortir. Bon, nous maintenant, on va finir complètement notre pneu. On va cliquer sur ce côté-là et sur ce côté-là. On se met comme ça en regardant la vue de l'intérieur. Et là, on va rester appuyé sur Maj. Hop. Et ça va être la tranche de notre pneu. Voilà, on fait à peu près comme ça. On va redupliquer un petit peu. Alors pourquoi je fais une segmentation virtuelle? Tout simplement parce qu'après on va lisser le pneu et avec la segmentation ça va permettre d'avoir un lissage un petit peu plus doux. Voilà, là je me mets comme ça. Là je passe pour sélectionner les points. On va passer dans cette vue de face. Hop. Voilà. On prend là, ça y est, c'est parti. Y. Et voilà. Voilà, on rapproche sur l'axe Y. Tout va bien. On a notre petite forme de pneu. Maintenant, on va chercher le modificateur lissage rapide ou turbo smooth si vous êtes en anglais. Lissage rapide. Je vais rajouter une itération et je vais surveiller en appuyant sur la touche 7 le nombre de polygones que j'obtiens. 3000 polygones, c'est raisonnable. Si vous obtenez plus de 20 000 polygones pour ce petit morceau de pneu, c'est qu'il faut alléger un petit peu votre modélisation parce que sinon elle va devenir très lourde. Surtout qu'après tout va se dupliquer. Voilà. Donc là maintenant on a un pneu adouci et on va pouvoir le dupliquer. Alors le dupliquer, comment on fait pour dupliquer? Très très simple. On va sélectionner l'outil réseau. Merde. Réseau. On va parler d'une copie
sur l'axe Y, on va cliquer sur aperçu. On va en mettre 30, histoire d'être peinard. Maintenant, on allonge l'axe Y. Hop. Voilà. Ça, c'est parfait. Alors, je vais maintenant polygone éditable. Alors là, je vais tous les réduire. Tout réduire. C'est tout réduire. Bon, attendez, je sais pas pourquoi je m'embête, mais. Autant que je tout réduise maintenant, c'est quand même mieux de tout réduire dans un souci d'optimisation quand même. Voilà. Voilà. Tout est réduit. On a 114 000 polygones. C'est encore correct. Hop, on va cliquer par exemple sur celui d'en bas. Hop, on attache tout. Convertir en polygone éditable. Je sélectionne tout. Et on va bien souder tous les points. On va bien s'assurer que tout s'est bien soudé comme il fallait. Hop. On vérifie la tête de notre pneu. On soude les points tout simplement après, parce que quand on va plier le pneu, pour pas avoir des marques de face. C'est pour ça qu'on soude tous les points. Donc on les sélectionne tous et on clique sur la boîte de dialogue à côté de souder et on règle le seuil de soudage en fait, qui est l'écartement. Le seuil de soudage, c'est l'écartement entre les points maximum requis pour souder les points et donc voilà. Voilà, bon. Alors, on a notre pneu au complet. Voilà, et là maintenant, on peut attaquer les petites dernières finitions. On va lui appliquer le modificateur courbure ou bend si vous êtes en anglais. Alors, on est sur l'axe Y. Vous réglez un angle. Alors, non, l'axe X. Voilà. Et vous réglez un angle. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre la vue de dessus. Voilà. Je vais me tourner de cette façon. Voilà. Et je vais régler un angle. Alors, voilà. Pas y aller trop fort non plus. Un petit peu, ça suffit. Hop. Et maintenant, j'applique un autre modificateur courbure qui va être cette fois-ci sur Y à 90 degrés et je vais tourner à 360. Alors, je vais taper moins 360 histoire que ce soit dans l'autre sens. Voilà. Et là maintenant, je me retrouve avec un pneu. Voilà. Qui fait quand même 57 000 polygones. Voilà. C'est pour ça qu'après, on peut utiliser des diviseurs de polygones, comme le modificateur Pro Optimizer, qui permet de réduire les polygones
Alors après, si vous avez l'intention de faire une prise de vue à nu, comme ce que j'ai fait avec cette prise de vue-là, je vous conseille d'appliquer le modificateur coque, parce que le problème, c'est que quand vous allez prendre par exemple de ce point de vue votre pneu, ici on va parfaitement le voir, par contre l'intérieur sera transparent. Ça, c'est la 3D qui le veut. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà tout réduire. Une fois que votre pneu est entièrement réduit, vous lui appliquez le modificateur coque. Voilà. Avec en quantité intérieure et pas extérieure, vous mettez au moins 0,01. À partir de là, ça suffit. Voilà. Donc là, quand il ressort comme ça dans la fenêtre 3D, il est quand même pas très beau. Par contre, quand on fait rendu, il n'y a aucun souci. Alors, je me mets juste. Ouais, non, c'est. Voilà, comme ça c'est nickel. Bon, eh bien j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine.